Pour qu'un liquide entre en ébullition, il faut qu'on lui apporte suffisamment d'énergie pour casser les forces qui existent entre les molécules qui composent ce liquide. Ces interactions entre ces molécules qui composent le liquide, c'est ce qu'on appelle les forces intermoléculaires. Et plus ces forces intermoléculaires vont être importantes, plus on va avoir des interactions fortes entre les molécules qui composent le liquide, et plus il va falloir apporter de l'énergie pour casser ces forces et permettre aux molécules de prendre de la distance les unes par rapport aux autres et de passer à l'état gazeux. Et ainsi, plus les forces intermoléculaires sont importantes, plus la température d'ébullition est élevée. Dans cette vidéo, on va comparer des composés organiques qui ont des points d'ébullition différents pour essayer de comprendre quelles sont les forces intermoléculaires qui rentrent en jeu à l'état liquide et qui permettent d'expliquer les différences de température d'ébullition qu'on observe entre ces différents composés. On va commencer dans un premier temps par comparer deux alcanes, le pentane et l'hexane, qui sont tous les deux des hydrocarbures à chaîne linéaire non ramifiée. Donc le pentane a 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, donc on a donc 5 carbones dans la chaîne du pentane, et 6 pour l'hexane, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voyons voir ce qui se passe à l'état liquide entre deux molécules de pentane. Donc je vais dessiner une autre molécule de pentane ici au-dessus, 1, 2, 3, 4, 5. Le pentane est une molécule apolaire, donc entre deux molécules apolaires, la seule force d'interaction qui peut exister, c'est ce qu'on appelle les forces de dispersion de London, qui sont un composant majoritaire de, plus globalement, ce qu'on appelle les forces de van der Waals. Ces forces de London, ce sont des forces qui sont très faibles par rapport à toutes les autres forces intermoléculaires qui peuvent exister, puisque l'attraction entre les deux molécules n'est présente que pendant une faible durée de temps. Donc il existe quand même des interactions entre ces deux molécules, je peux les représenter par ces petits pointillés comme ceci, mais qui sont assez faibles. Et ceci du fait qu'il s'agit de molécules apolaires. Si je regarde maintenant ce qui se passe au niveau de l'hexane. Donc pour l'hexane, si je dessine également une autre molécule d'hexane au-dessus de celle-ci, on voit qu'on a également deux composés, deux molécules apolaires, avec comme seule interaction possible, dans ce cas aussi, des forces de dispersion de London, que je peux dessiner par ces pointillés ici. Mais dans le cas de l'hexane, on a une surface plus grande que dans le cas du pentane, puisque la molécule est plus longue, et par conséquent, on a plus de possibilités de former des interactions entre deux molécules d'hexane qu'entre deux molécules de pentane. Donc le fait qu'on ait une chaîne carbonée plus longue fait qu'on a une surface plus grande au niveau de la chaîne linéaire ici, ce qui permet d'augmenter la probabilité de créer des forces d'interaction de London entre deux molécules d'hexane par rapport à deux molécules de pentane. Ce qui signifie qu'on a plus de forces d'interaction entre deux molécules d'hexane qu'entre deux molécules de pentane. Et si on a plus de forces d'interaction entre deux molécules d'hexane, ça veut dire qu'il faut apporter plus d'énergie pour casser ces interactions par rapport au pentane, et donc que la température d'ébullition va être plus importante pour l'hexane que pour le pentane. Et c'est bien ce qu'on observe. Pour l'hexane, on a une température d'ébullition à pression atmosphérique de 69 degrés Celsius, et on a 36 degrés Celsius pour le pentane. Donc parce qu'on a une chaîne linéaire plus longue et donc une surface plus importante qui permet plus d'interaction entre deux molécules d'hexane, on a une température d'ébullition plus haute. Donc si on veut dégager une tendance ici, de manière générale, on peut dire que plus on augmente le nombre de carbones dans la chaîne, plus on va augmenter la température d'ébullition, plus le point d'ébullition va être élevé. Comparons maintenant une chaîne linéaire et une chaîne ramifiée. Avec cet exemple ici, donc on va comparer le pentane linéaire avec le néopentane. Donc le pentane, on l'a vu juste au-dessus, si je dessine une molécule de pentane, une deuxième ici. Donc là on est à l'état liquide, on cherche à savoir quelles sont les interactions qui existent entre deux molécules de pentane. Et bien comme on l'a vu, le pentane étant une molécule apolaire, les seules interactions qui peuvent exister, ce sont des forces de dispersion de London, qui sont des interactions assez faibles. Voilà pour le pentane. Et pour ce qui est du néopentane alors? Eh bien le néopentane, déjà ce qu'on peut voir, c'est que c'est un isomère de constitution du pentane. En effet, si je définis la formule brute du pentane, j'ai donc 5 carbones, donc c'est un C5. Et je vais avoir 3 hydrogènes ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici et 3 ici. Donc 3 et 3, 6, et de 8 et de 10 et de 12, j'ai donc C5H12 pour le pentane. Et pour le néopentane, j'ai également 5 carbones, un carbone ici, et 4 groupes CH3 tout autour, donc ça fait bien 5 carbones. Et pour les hydrogènes,
J'ai donc 3 hydrogènes sur chacun des groupes méthyle ici. J'en ai 4, 3 fois 4, 12. J'ai donc également une formule brute C5H12 pour le néopentane. Ces deux molécules sont donc des isomères de constitution. Ils ont la même formule brute, mais les atomes sont agencés de manière différente dans la chaîne. Donc si je dessine une autre molécule de néopentane à côté ici, donc comme ceci, comment est-ce que je peux imaginer les interactions entre ces deux molécules ici? Eh bien, si je regarde un petit peu cette molécule de néopentane, je vois que j'ai un atome de carbone central qui est relié à 4 groupes méthyle. Donc globalement, on peut imaginer que ce néopentane, il est dans une sorte de sphère. Voilà. Ça a une forme un petit peu sphérique. Donc j'ai donc 2 sphères. Donc là, je dois étudier l'interaction possible entre ces 2 sphères ici, alors que ici, j'avais 2 molécules linéaires. Donc, tu vois bien tout de suite qu'au niveau de ces 2 sphères, la surface possible pour créer des interactions entre ces molécules, elle est beaucoup plus faible qu'entre 2 molécules linéaires qui peuvent être l'une en dessous de l'autre sur tout le long de leur chaîne. Ici, si les 2 sphères sont l'une à côté de l'autre, je vais avoir seulement comme surface possible d'interaction une interaction ici, par exemple. Mais là, du coup, là ici en haut, je n'aurai pas d'interaction possible avec l'autre sphère et ici non plus. Donc là, le seul endroit où je peux avoir de l'interaction, c'est ici. Autrement dit, on a beaucoup moins d'interactions entre 2 molécules de néopentane qu'entre 2 molécules de pentane. Et si on a beaucoup moins d'interactions, alors ça signifie qu'on a besoin d'apporter beaucoup moins d'énergie pour séparer ces 2 molécules l'une de l'autre, pour leur faire prendre de la distance et passer à l'état gazeux. On a besoin de moins d'énergie pour casser toutes ces interactions ici, dans le cas du néopentane, que dans le cas du pentane. Et par conséquent, on a alors une température d'ébullition plus faible. Et c'est effectivement ce qu'on observe expérimentalement, avec une température d'ébullition de 10 degrés pour le néopentane, alors qu'on avait 36 degrés pour le pentane. Donc si je suis au laboratoire, j'ai une température ambiante, généralement entre 20 et 25 degrés, hein, je vais mettre 25 degrés. Donc qu'est-ce que ça signifie? Le néopentane a une température d'ébullition de 10 degrés. Ça veut dire qu'à température ambiante, à 25 degrés, j'ai déjà une énergie suffisante de par le fait qu'il fait 25 degrés dans la pièce pour que le néopentane soit sous forme gazeuse. La température ambiante est supérieure à la température d'ébullition du néopentane à pression atmosphérique. Et donc au laboratoire, je vais trouver le néopentane sous forme gazeuse. Donc ce sera un gaz. Par contre, le pentane, il a une température d'ébullition de 36 degrés qui est supérieure à la température de la pièce. Donc au laboratoire, le pentane, par contre, je vais le trouver à l'état liquide. En ce qui concerne la tendance générale, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que pour un même nombre de carbone, plus on augmente les ramifications, plus le composé est ramifié, plus la température d'ébullition est basse. Et ceci parce qu'on diminue la surface disponible pour créer des interactions entre les 2 molécules. On va maintenant, pour finir, comparer 3 autres molécules. Il s'agit de l'hexane, de l'hexane 3-on et de l'hexane 3-ol. Alors pour l'instant, si tu débutes en chimie organique, ne fais pas attention au nom de ces molécules ici, tu pourras les comprendre dans les chapitres suivants. Donc ce qui est intéressant avec ces 3 molécules ici, c'est qu'elles ont toutes une chaîne linéaire avec 6 atomes de carbone. Donc elles ont toutes 6 carbones. Et ce qui va changer, ça va être la présence d'une fonction qu'on appelle une fonction cétone ici et d'une fonction alcool ici, avec un oxygène et ici un oxygène et un hydrogène. Donc on va essayer de comparer en termes d'interaction intermoléculaire à l'état liquide, ce qui se passe pour ces 3 molécules, pour pouvoir expliquer les différences qu'on observe au niveau des températures d'ébullition. Donc l'hexane, on l'a déjà vu dans le premier exemple ici, si je dessine une deuxième molécule d'hexane, j'ai donc 2 molécules apolaires, avec comme seule force possible des interactions force dispersion de London, qui sont des forces intermoléculaires faibles. Ensuite, en ce qui concerne l'hexane 3-on, parlons un petit peu électronégativité. Qu'est-ce que j'observe dans cette molécule ici? C'est que j'ai un carbone qui est lié à un oxygène qui est plus électronégatif que lui. Et par conséquent, je vais avoir une charge partielle négative sur cet oxygène et une charge partielle positive sur ce carbone ici. Puisque l'oxygène est plus électronégatif, il attire vers lui les électrons de cette liaison carbone-oxygène qui va induire du coup une charge partielle négative sur l'oxygène et positive sur le carbone. Si je dessine une deuxième molécule d'hexane 3-on qui va pouvoir interagir avec la première en milieu liquide,
qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, sur cette deuxième molécule d'hexanone, j'ai également une charge partielle négative sur l'oxygène et une charge partielle positive sur le carbone. Les charges opposées s'attirent. Donc ici, je vais pouvoir avoir une interaction entre ce carbone qui porte une charge partielle positive et cet oxygène qui porte une charge partielle négative. Donc ici, j'ai un dipôle. Ici, j'ai un dipôle. Du fait de cette différence d'électronégativité entre l'oxygène et le carbone. Et j'ai une interaction entre ces deux dipôles. Eh bien, c'est ce qu'on appelle tout simplement une interaction dipôle-dipôle. Une interaction dipôle-dipôle. Et ça, c'est une force intermoléculaire qui est beaucoup plus importante que les forces type force de dispersion de London qu'on avait pour l'hexane. Donc on a également des forces de dispersion de London entre ces deux molécules ici, mais c'est largement minoritaire par rapport à la forte interaction dipôle-dipôle qui va exister entre deux molécules d'hexane 3-on. Ça signifie qu'on a plus de forces d'interaction entre deux molécules d'hexane 3-on que entre deux molécules d'hexane. Donc il faut apporter plus d'énergie pour casser ces interactions entre ces deux molécules. Et donc on a une température d'ébullition plus importante, avec effectivement 123 degrés Celsius à pression atmosphérique contre 69 degrés Celsius pour l'hexane. Voyons maintenant la dernière de ces trois molécules ici. Il s'agit de l'hexane 3-ol. Et on voit qu'on a une fonction alcool, donc on a un groupe OH ici. D'un point de vue électronégativité, ce qu'on voit, c'est qu'on a un oxygène qui est lié à un hydrogène, avec donc une charge partielle négative sur cet oxygène et une charge partielle positive sur cet hydrogène. Et ça, on sait tout de suite que ça va pouvoir induire des liaisons hydrogènes entre deux molécules d'hexane 3-ol. Donc je vais dessiner une autre molécule d'hexane 3-ol ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec un oxygène et un hydrogène, comme ceci. Et donc là, je vais avoir la formation d'une liaison hydrogène entre cet atome d'oxygène par le biais de son doublet non liant et l'atome d'hydrogène ici, qui porte une charge partielle positive et a donc un caractère acide. Donc je vais former ce qu'on appelle une liaison hydrogène. Et ces liaisons hydrogènes, en fait, ce sont une forme d'interaction dipôle-dipôle, mais qui est très forte. C'est la force intermoléculaire la plus forte qu'on peut avoir. Et donc ça signifie qu'on va avoir une interaction très forte entre deux molécules d'hexane 3-ol du fait de la possibilité de former des liaisons hydrogènes entre deux molécules d'hexane 3-ol et donc un besoin d'apport d'énergie d'autant plus important pour casser cette interaction, pour casser ces liaisons hydrogènes, ce qui signifie une température d'ébullition plus élevée que pour l'hexane 3-ol et plus élevée que pour l'hexane. Donc quand on souhaite comparer des températures d'ébullition pour différents composés organiques, en fait ça revient à réfléchir aux forces intermoléculaires qui existent à l'état liquide entre deux molécules et comparer du coup l'énergie qu'il faut apporter pour casser ces forces intermoléculaires. Plus les forces intermoléculaires vont être importantes, plus il va falloir apporter de l'énergie et donc plus la température d'ébullition va être importante également.